Salut. Donc, comme on avait dit, on va continuer un peu ce qu'on avait commencé avec les trucs de Mutable qui sont transformés en Audible Instruments avec PCB Rack. Donc, aujourd'hui, on va se concentrer sur Element. Moi, j'avoue que je pensais en discuter hier, mais finalement, ça a passé trop vite avec le frame. Donc, Element, qui. Pardon, j'ai peut-être dit Element, je voulais dire. C'est Segment Generator. J'ai peut-être dit Frame aussi. Je les confonds tous, c'est Marble. Non, Marble, c'est un autre. Damn. Bon, j'ai un blanc, c'est pas grave. À force de pas le voir, mais c'est Stage, oui, c'est ça, Stage, donc dont on va parler. Il n'est pas indiqué ici dans le Audible Instrument. Oui, c'est sûr que oui. Merci. Donc, d'ailleurs, justement, ce qu'on entend, c'est le élément plus haut. Donc, un petit test vite fait avec un focus sur le stage qui automatise un element. C'est la seule source qui est automatisée. Pour ceux qui me connaissent ou qui ont peut-être déjà vu les formations en Borough, Element, pour moi, c'est un module qui est assez étrange. Je pense qu'il m'obsède parce que j'avais déjà vu des vidéos vraiment impressionnantes et quand je l'avais personnellement acheté, ben, j'avais jamais été capable de faire un truc que je trouvais vraiment intéressant avec ça. Mais aujourd'hui, en travaillant un peu avec ses autres amis, dont Stage, on arrive à quelque chose qui ressemble à une vidéo vaguement de Richard Devine au niveau du style. En fait, c'est que chaque impulsion crée comme une note, si on peut dire, assez complexe, qui va évoluer. Et c'est vraiment le stage qui fait l'évolution par note, si on peut appeler ça des notes. Donc, on va regarder ça. Oh, salut Stéphane! Ah oui, Stéphane, il est là, donc peut-être qu'il sait, lui, d'où ça vient. C'est ma tentative d'imiter la vidéo de Richard Devine avec le Element. Donc, le Segment Generator, c'est quoi? Ben, en fait, c'est un générateur de segments. Eh, bravo pour la traduction! Donc, ça se rapproche dans une certaine limite d'un générateur d'enveloppe. C'est juste qu'ils ont généralisé l'expression. Ils ont simplement dit générateur de segments parce que c'est plus général que ça. Donc, juste pour que ce soit clair, on va stopper le son. Donc, pour ce faire, je vais y aller radicalement et sauvegarder. Sous un autre nom et on va effacer toute cette soundtrack. Je suis désolé, mais bye bye. Oup, oup, oup. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? Bon, on va aller travailler en bas. On a tout ce qu'il nous faut ici. Donc, ça, c'est un peu le plan de la journée là, que je me disais. On va voir quelques définitions aussi. Peut-être un retour sur même la notion d'enveloppe. Là, je pense pas qu'on en ait parlé depuis que moi j'ai commencé. Stéphane aussi doit se douter que je suis un obsédé des enveloppes parce que c'est un truc dont on n'a jamais assez. Si jamais vous voulez des trucs cool d'enveloppe, il y a aussi le Radar de Erigena Stone qui est incroyable, mais le Segment Generator est aussi assez incroyable. Donc, suffisamment parlé, en fait, au sujet des enveloppes, ben, en fait, wow! Wow, ça c'est drôle que ça soit passé en Zoom. C'est la première fois qu'il me fait ça, Zoom. On va mettre je sais pas pourquoi. Eh bien, donc, on va parler un peu d'enveloppe. Ah, c'est pas pratique, ça. J'ai aucune idée pourquoi, mais là, ma molette est passée en mode zoom. C'est pas facile. Faire un petit ménage. Allez, hop. Ah, mon Dieu, la souris fait n'importe quoi. Peut-être être obligé de... Ah, c'est vraiment étrange. Bon, je m'excuserai. C'est le premier vrai bug de la semaine, mais je vais juste le redémarrer. Parce que on dirait que la souris faisait des trucs étranges. Donc, nous y revoilà. Et la souris a retrouvé son comportement normal. On va faire le ménage. Donc, c'est juste un petit mot en fait sur la notion d'enveloppe. Ici, il ne se passe pas grand-chose. J'ai une sortie, on va la mettre mono. Sortie mono vers la carton. En fait, c'est juste une réflexion sur l'histoire, hein, d'où ça vient, les enveloppes. Donc là, j'ai le computer keyboard que je vais utiliser comme clavier 2 secondes. Puis si je prends le gate puis je mets ça dans le oscilloscope, ben, en fait, quand j'appuie sur une touche, là, c'est un clavier QWERTY, mais évidemment, c'est un piano.
En gros, une touche, on l'oublie là, mais c'est une switch. Donc, quand j'appuie, ça crée une gate, c'est-à-dire un voltage qui est haut, par exemple 10 volts ou 5 volts là, selon les standards. Parce qu'en réalité, quand on appuyait sur une touche de clavier, tout ce que ça faisait, c'est prendre le haut voltage puis l'envoyer à un autre stage d'électronique. Donc, si je prends ça, puis là, j'imagine les premières inventions de synthé il y a très longtemps. Ici, j'ai un VCA. J'utilise la gate, wow, juste pour ouvrir le VCA de façon vraiment ennuyeuse. Et je prends un oscillateur dans le on. Le VCA, c'est Voltage Control Amplifier. Ouais, donc est-ce que ça marche? Oui. Wow. En fait, ça fait juste vraiment un système de on-off. Je pense que c'est à ce moment-là que la nécessité impérative d'avoir des enveloppes est arrivée. Puis moi, je suis pas mal certain que les premières enveloppes qu'on a entendues sont celles-ci, c'est-à-dire attaque et release. Vous allez voir pourquoi. Si je prends la gate, que je l'envoie dans mon générateur d'enveloppe, puis le out dans l'entrée ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un peu bref. On va l'améliorer. Donc, une montée. Qu'est-ce qui me fait? Parce que le release, je vais mettre du sustain. Ouais, excusez. Un attack sustain release, si on peut dire. Donc, on y va. Ça monte. Je relâche et ça descend. Donc, cette enveloppe-là, évidemment, elle va avoir cette apparence. C'est-à-dire. Oups. Donc, quand je mets ça à on, puis quand je relâche, ça, c'est ma gate et ça, c'est l'enveloppe qui a été créée. Puis, en fait, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait un peu d'électronique ici. Mais en gros, ça ressemble à un condensateur qui se charge et qui se décharge dans une résistance. Donc, c'était probablement le premier générateur d'enveloppe analogique le plus simple du monde, c'est-à-dire que la gate 0,10 volts était appliquée aux bornes d'un condensateur qui se chargeait. Puis, quand on défaisait la gate, le condensateur s'est déchargé dans la résistance. Puis, on avait cette courbe-là là, qui est plus comme mauve qu'on pouvait utiliser par un VCA. Juste pour clarifier cette notion, en 2 secondes d'écart. Un circuit résistance condensateur, c'est la chose la plus simple qu'on ne peut pas trouver, là. C'est une résistance, un condensateur avec une switch. Puis dans le cas de la gate, c'était probablement connecté sur. Oh, vous voyez rien. C'était probablement connecté donc sur la touche clavier, ici, donc qui connectait le plus 5 volts ou plus 10 volts là-dessus. Le condensateur se charge et se décharge. Puis ben, la réponse d'un fil. Ben oui, c'est un filtre en passant, un filtre RC. Donc si j'ai une gate bleue, j'ai la montée et la descente. Donc, c'est probablement de là que ça vient. La seule subtilité, c'est que à l'origine, si on utilisait ça, ben, en fait, c'est que le temps de montée ou le temps d'attaque était le même que le temps de release. Donc, moi, c'est ma petite hypothèse du jour. Donc, c'était pour sculpter les gates, puis arriver avec quelque chose de plus intéressant. Donc, on va parler de stage dans ce contexte-là. Oui, on l'a en bas ici. On va faire un peu de ménage encore une fois. Allez, hop, bye bye. Donc, le plan que je m'étais dit, c'était de prendre bien le temps d'en parler parce qu'en fait, je pense qu'il est, comme je dis toujours la même chose, mais c'est très puissant. Mais lui, je trouve qu'il est peut-être moins intuitif, honnêtement. Donc, on va peut-être discuter d'abord des gates de gauche à droite parce que c'est vraiment important de comprendre que le truc est divisé en 6 parties verticales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais qui a une relation de gauche à droite au niveau des gates. C'est-à-dire que la première gate, disons, après séance, est comme plus importante que les autres. Il y a un effet de cascade. Ça, c'est vraiment fondamental à comprendre. Donc, dans son utilisation la plus simple, normalement, le segment generator va nous générer une enveloppe à 6 segments. Ce qui le caractérise, c'est justement l'idée de segment et de groupe, en fait. Mais on va y revenir plus tard. Donc, on va commencer tout de suite pour illustrer ça avec notre oscilloscope, comme toujours. Peut-être que le zoom est un petit peu intense. Allez hop, on va descendre comme ça. Et là, on regarde comme il faut. Il faut le déclencher par une gate. Donc, je vais juste prendre un BPM. Moi, j'aime bien les AS. AS, je me demande si ça ne vient pas d'Analog Solution qui a été retravaillé. BPM clock. Ouais, super, on est à 120 BPM, on va y aller doucement pour vraiment voir la forme. Je prends le beat et je mets dans la gate 1. Puis là, si vous voyez, ça fait une cascade. Il fait 1, 2, 3. La raison pourquoi il ne continue pas plus loin, c'est simplement que le beat revient plus vite que le guitar. Donc, si je le mets au bar, à la mesure, on va se rendre jusqu'au bout. OK, donc
une gate ici est comme transposée là. Puis il y a une question, un aspect qui est vraiment important que moi, j'avais pas saisi intuitivement en jouant avec ce module-là, mais ce qui se passe quand on fait ça, c'est que l'enveloppe à six segments va être ici, au premier. On va changer notre échelle pour bien la voir. Donc, on va voir ce qui se passe. Temps d'attaque, decay, hold, release. En réalité, ce segment-là, ici, le hold, il comprend probablement trois segments, en fait. Donc là, ça a l'air juste d'un attaque decay, oh, sustain release, tout à fait banal. Mais ce qui est particulier, c'est que il faut savoir que si j'avais pris, non pas la première gate, mais je ne sais pas, celle-ci, vous voyez, c'est juste les trois derniers qui sont donnés. Puis quand je fais ça, c'est que la sortie d'enveloppe 4, c'est elle qui devient la maîtresse. Donc, si je me mets ici, je vais avoir quelque chose comme un attaque, decay, puis un release, mais ces deux-là sont combinés, en fait. Ouais, on peut le voir ici, mais c'est important de comprendre que quand vous m'envoyez un gate ici, la sortie à laquelle ça correspond va vous donner un mix des trois segments. C'est là que ça devient un petit peu intéressant, c'est que si je me remets dans la condition du début, avec une cascade, ouais, de six segments. Mais là, le truc, c'est de regarder les autres segments. Qu'est-ce qu'ils font, en fait? Je vais regarder le deuxième. Puis là, vous allez comprendre ce qui se passe, j'espère, visuellement. Tadam! En fait, ce qui se passe, c'est que chaque sortie qui n'est pas déclenchée par un gate va seulement donner son micro-segment à lui. Puis vous voyez que ce n'est pas la même échelle ou la même pente, mais c'est que c'est toujours comme le segment sans être mis à l'échelle par rapport au niveau précédent. Donc, si je duplique le scope, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour le 3, pour le 4. Donc, vous allez voir, ça va être d'autres segments qui apparaissent comme ça, en fait. Donc là, c'est dommage là, parce qu'on ne voit pas les 4 sur le même. Ce que je devrais faire, pardon, c'est toujours mettre le master, on va dire l'enveloppe maîtresse en display. Donc, le bleu, c'est toujours l'enveloppe maîtresse. Là, on voit le premier segment qui n'existe pas parce qu'il est combiné sur la maîtresse. Le deuxième est ici. Vous voyez le... Oh, j'allais sauter le troisième, pardon. Donc, j'espère que c'est clair. C'est que chaque output va donner son segment. Puis là, c'est le fun parce que du coup, on peut créer des cascades d'enveloppes et ça rappelle, par exemple, le Just Friend, un peu, dans une certaine mesure. Donc, et ça peut continuer. Je l'ai pas le bête lui. Toujours, pour une fois, j'ai comparé avec le premier. Donc, j'espère que c'est clair, là. C'est que le bleu, c'est toujours comme le master. Deuxième segment ici, le troisième est là, puis lui, c'est le quatrième. Ouais, c'est ça. Donc là, ça va nous permettre de visualiser un peu qu'est-ce qui se passe. Je vais augmenter la vitesse du BPM pour qu'on le voit plus régulièrement. Est-ce que ça marche? Ouais. Puis là, ce qui est particulier, c'est que chaque segment, donc chaque colonne, a un code couleur. En appuyant sur le bouton ici, on peut, ça arrive souvent là, dans les trucs de Mutable Instruments, changer le mode. Donc quand c'est vert, ça correspond à ici. Ici, c'est jaune, à ça. Et rouge, ça correspond à ça. Donc, je vais essayer de zoomer pour qu'on peut-être qu'on peut le voir un peu mieux. Les icônes de Mutable sont un peu petites parfois. Donc, le premier, c'est juste ce qu'on appelle un ramp. Donc, ça veut dire qu'il part, quand c'est le premier, il part de 0 volt, puis il va au voltage max, puis après, ils vont faire des ramps. Donc, c'est présentement ça qu'on voit. Le deuxième, c'est step, le jaune, et le troisième, c'est hold. Puis là, il faut se souvenir des codes couleurs, parce que c'est grâce aux codes couleurs qu'on va comprendre, par exemple, à quoi servent ces six boutons. Ouais, je suis d'accord, le scope avec plus d'entrées. J'avoue que je ne sais pas c'est lequel qu'il y en a. Il faudrait juste en trouver un. Je suis preneur pour les suggestions. Dans le fond, ici, on a les six shape and time. Puis, en fait, ça va contrôler le shape dans le mode vert et jaune, et ça va contrôler le temps quand ça va être en hold. De la même façon, ici, les faders sont associés à ces entrées-là. Et ces entrées-là, et donc les faders, quand c'est vert, ça va contrôler le temps du segment, la durée du segment. Le jaune, quand on est en mode jaune step, ben ça va contrôler le niveau. Et aussi, ça va contrôler le niveau quand on est en mode rouge. Donc, autant ceux-là vont contrôler le niveau que les faders. Je vais aller juste voir, peut-être pour illustrer un peu mieux le concept. Je vais chercher une image qui vient tout droit du manuel, qui l'explique assez bien, en fait. Donc, en gros, la philosophie du stage, c'est à peu près ça. C'est que selon, ici, je voyais, j'ai quatre segments.
Step, pardon, c'est ramp, ramp, hold et ramp. Donc, le main out qui va être le premier, puisqu'il est déclenché par une gate ici. On va voir l'enveloppe complète. Après, j'aurai le deuxième segment sur le deuxième seulement. Le troisième qui est en mode hold, ben, en fait, ça va me donner la partie hold. Puis ici, j'ai comme le release, par exemple, sur ce quatrième segment-là. Puis dans ce cas-là, ici, la section de segment dure 4 parce que j'ai d'autres gates connectés ici. Un des bons points aussi qui se passe dans le manuel, c'est des fois la nécessité d'utiliser ce que lui appelle un dummy cable. Donc, par exemple, si je veux seulement une enveloppe à 4 segments, présentement, j'en visualise 3. Je crois. Ouais, 3. Ceux-là, on ne les voit pas, mais on peut les voir sur les LED ici. Mais si, mettons, je prends un truc quelconque, là, ici, qui n'en voit rien, puis je le mets, par exemple, ici, vous remarquez que ça va couper le groupe. Vous voyez, il s'arrête à 4. Donc, cette notion-là de groupe est vraiment intéressante, en fait, parce qu'on peut comme segmenter. De la même façon que si j'avais mis ici une gate, là, tout d'un coup, je me retrouve avec seulement deux segments qui sont actifs, déclenchés par cette gate-là. Puis là, on voit, j'ai tout d'un coup un truc à deux segments. Et le 3 à 5, c'est pas actif, si on peut dire. Suggestion d'oscilloscope, L. On va aller voir. Clic droit, L comme fabricant ou L comme modèle. Ah, je ne l'ai pas. Reset filter. On va aller voir dans scope. Non, c'est dans Visual ou Scope, est-ce qu'il l'a? Non. Je pense qu'il y en a un qui a plusieurs entrées comme lui, Multiscope. On va l'essayer, on va voir ce que ça donne. Shape 1-2, pas certain. Tu as dit lui. Mais, hein? Ok. Scope les Rainbow. Merci pour l'idée de scope. On va aller chercher ça. Ah, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va faire avec. C'est un bon point pour le corriger quand même. Mais en gros, ça nous donne cette idée-là, en fait, que c'est un générateur multisegment, en fait. Qu'est-ce qui est important? Donc, on a parlé du groupe. Après, on peut peut-être parler du type de forme, en fait. Ça, on va le contrôler avec le bouton vert. Ben, présentement, c'est l'état vert, là, mais on va le mettre en jaune ou en rouge pour avoir différents résultats. Donc, jaune, c'est step. Et non, avant de parler de ça, excusez-moi, je vais parler des boutons ici. Dans le cas, on va rester en ramp. Donc, ici, je peux contrôler le shape. Donc, vous voyez, vers la droite, c'est plutôt un truc qui est courbé positif. Puis, vers la gauche, c'est plutôt un truc qui est creux ou concave, si vous aimez mieux. Puis, vous voyez aussi un truc qui est spécial aussi, là, c'est que, en fait, ouais, ça, c'est un truc vraiment subtil. Je recommence. Vous voyez ici, il y a comme un système de priorité entre les boutons. C'est-à-dire, j'ai remis tout le monde en double-clic à la valeur par défaut. Puis, par la valeur par défaut, pour le premier segment, c'est une pente linéaire. Si je vais à gauche, ça devrait être courbé. Ouais, c'est ça. Donc là, je contrôle la courbe, le shape. Donc, je pourrais m'attendre pour le premier segment. Je pourrais m'attendre que si je joue avec lui, je vais contrôler aussi la courbe du deuxième segment. Mais non, en fait, parce qu'il y a une espèce de phénomène d'alternance. On va aller chercher une image après. C'est qu'en réalité, suivant un premier ramp, ça va contrôler le niveau du deuxième segment. Donc là, présentement, il est au milieu, donc il est à la moitié. Donc, si je le monte un peu plus, vous voyez ce qui arrive en réalité. Bon, là, c'est peut-être difficile à décoder. On va essayer ça. Faut attendre toujours. Vous voyez, il y a comme un petit coude qui apparaît. Je vais le mettre dans sous-midi. Ça va être plus évident. Vous voyez, là, ce qui se passe, c'est que c'est ça. Ça, c'est le premier segment. Puis le deuxième segment, en fait, je contrôle comme le target value du deuxième segment avec ça. Donc, ça, c'est un peu bizarre. Puis là, lui, normalement, si je ne me trompe pas, on va aller vérifier après sur le mode d'emploi, il va contrôler la shape du troisième segment. Vérifier si c'est vrai. Non, il contrôle le niveau, en fait. Donc, c'est ça qui est comme un peu, peut-être pas super bien indiqué, là, puis pas intuitif. Donc, celui-là aussi devrait contrôler le niveau. Je vais mettre plus bas, voir.
Ouais, ça veut dire que quand on a une cascade de ramps, c'est juste le premier dont on peut contrôler le shape. J'avoue que c'est pas intuitif, honnêtement. Donc lui aussi, ça devrait être le niveau. On va aller voir. Ouais. Puis, ce qui est important aussi, c'est que si le bleu, c'est mon enveloppe, lui, ça va contrôler la shape. C'est ça, parce que c'est la fin. C'est ça, c'est au sein d'un groupe. Le premier shape va contrôler vraiment la shape du premier segment du groupe. Puis, si ça forme un groupe parce que j'envoie seulement une gate ici, ben le dernier bouton ici va contrôler la curve du dernier segment. Ces quatre-là contrôlent les niveaux, en fait, des points qu'on trouve là, dans la course. Donc, ça permet de générer des enveloppes super compliquées. Présentement, tous les segments ont la même durée, mais là, évidemment, je peux jouer avec ça ici. Là, ça va être la durée qui va intervenir de façon différente pour chaque segment. Très sensible parce que je pense que la plage de valeur est énorme. Donc, il faut y aller tout en modération. Donc, on va finir avec un truc plus long, par exemple. Et avec, mettons, une courbe plus comme ça. Donc, ça, c'est vraiment en mode totalement enveloppe, en fait. Donc, super puissant. Et je vais aller chercher leur. Oups, c'est pas ça, non. On va aller chercher le Mutable Instrument Stage, le manuel. Il y a une belle image qui illustre ça, en fait. C'est ce que lui appelle Segment Rules. Donc, c'est ça qui est quand même particulier. Puis là, tu vois, il y a comme un truc qui ne marche pas, moi, avec ma compréhension, là. C'est que si, par exemple, ah oui, c'est parce qu'il y a un hold après. Bon, en tout cas, si j'ai ramp, ramp, ramp suivi de hold, ramp, ramp, en fait, les boutons ronds en haut vont contrôler la curve du premier. Après, le deuxième bouton, il va contrôler la hauteur du point ici. Le troisième, parce qu'il est suivi par un hold, il va contrôler la curve. Puis là, le quatrième, ce qui va contrôler le niveau, c'est non plus le petit bouton rond en haut, mais level ici, parce qu'on voit c'est rouge. Donc, le level va être contrôlé par ça. Ramp, ici, donc on a juste la hauteur, puis après la shape. Donc, vous voyez, il faut quand même se mettre dans cet esprit-là. Puis, sur son dessin, vous voyez aussi que dans le cas du 1 qui est en vert, la durée va être contrôlée par le fader, le 2 aussi, le 3 aussi. Puis le 4, en hold, il y a comme un renversement des contrôles, c'est que c'est le bouton qui contrôle la durée. Ça m'échappe encore un petit peu, je pense, ces changements-là, mais il doit y avoir quand même une raison au niveau de la modulation. Parce qu'il faut savoir que dans le Mutable Instrument Stage, il y a seulement ces trucs-là de modulation. Donc, ça fait peut-être plus sens de travailler la modulation du niveau dans le cas d'un hold parce que ça peut agir comme un genre de séquenceur. Donc, ça, faut se mettre comme dans cette logique-là qui n'est pas intuitive si on ne lit pas le mode d'emploi à mon avis. Donc, j'espère que c'est clair pour ça, en fait. Qu'est-ce qu'on a ajouté? On a fait le tour des contrôles quand on est en mode vert. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut remarquer que les enveloppes ici, qui sont les enveloppes esclaves, là, si on pourrait dire, elles sont pas ajustées en termes de niveau et de shape. C'est comme des enveloppes qui sont toujours seulement des decays, en fait. Oui, exactement. Donc ça, faut se mettre ça dans la tête, mais ça peut être utilisé pour contrôler d'autres trucs. Donc, on pourrait peut-être essayer de faire un exemple là, avec du son pour ça. Moi, ce que je pense, c'est que l'enveloppe master peut être utilisée pour un volume, puis les autres enveloppes qui sont en cascade pourraient être utilisées pour contrôler le timbre de l'oscillateur. Donc, je pense que j'avais tout enlevé, sauf mon mixeur qui était ici. Donc, on va juste aller chercher un peu qu'est-ce qui se passe en haut. Donc, pour l'instant, on a couvert à peu près tout ça. Après, on couvrira peut-être plus en détail les types. Puis, je pourrais expliquer peut-être après l'exemple que j'ai fait avec le Element. Donc, voilà, on va y aller en toute simplicité. Donc, étant donné que j'ai une enveloppe master et cinq sous-enveloppes, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à moduler. Donc, je vais me prendre simplement un Osio. Allez, vas-y. Oups. Alors, Osio, pas je dis Osio, mais je le dis Osciateur. Je vais toujours prendre le volt.
Ah non, ma souris a fait des... Ah, ok, c'est bon, c'est moi qui... Mon erreur. Je vais prendre le Basal, qui est un oscillateur avec contrôle du timbre, qu'on va envoyer tout bêtement dans le N. Non, ça n'a pas l'air trop fort. Ouais, c'est bon, on va baisser quand même le volume un petit peu. Donc là, présentement, il est toujours on, mais j'ai juste à utiliser le CV Control ici, puis le prendre sur l'enveloppe master. Donc là, présentement, l'enveloppe aqua slash bleu contrôle l'amplitude. Attends un petit peu de volume. Ouais, on va monter les niveaux un peu. Donc déjà, on a une enveloppe qui est avec une certaine subtilité. Puis le temps de release aussi, je vais l'augmenter. Une petite sortie assez drôle à la fin. Donc ça contrôle l'amplitude, mais là, je peux utiliser évidemment les autres trucs pour contrôler, par exemple, le time de l'oscillateur. Donc ça va donner une variante. Ce ne sera pas nécessairement très raffiné. Donc juste le premier. Ouais, c'est un peu brutal, mais ici, tant mieux pour moi, j'ai un atténuverteur. Donc ça permet de créer des genres de cascades d'animation. Parce que là, ici, lui est modulé en premier, puis lui en deuxième. Donc après, ce que je pourrais rajouter, parce que là, il me reste évidemment trois trucs, je pourrais rajouter un filtre. Évidemment, je vais prendre... Nickel, c'est trop petit ces trucs-là, moi faut que je me prenne des lunettes. Bon, on va juste lâcher, rajouter le mot clé filter. J'en ai un qui est assez intéressant. Bon, on prend lui. Donc, on va y aller à fond avec la résonance, puis on va prendre le signal ici, input, puis on va prendre le bandpass. Puis on va pouvoir automatiser le filtre, par exemple, avec la quatrième enveloppe. Un petit clic, je ne sais pas d'où il vient. Est-ce que la quatrième joue? Ouais, elle est trop brève. C'est pas la quatrième, c'est la cinquième. On va y aller. Intéressant. Je pense que l'oscillateur est trop smooth. J'aimerais ajouter une petite distorsion. Celle-là est pas mal. Juste pour ajouter un petit grain. On sort un peu de place. Tout ça pour dire que c'est juste comme un oscillateur. Bon, là, il s'arrête pas parce que j'ai peut-être mis trop de temps ici. Puis on va baisser le BPM pour que je vais avoir le jusqu'à la fin. Puis en gros, je vais mettre une disto avant le filtre pour aller chercher quelque chose qui est un petit peu plus crunchy. Donc le out dans les inputs, ici. Là, je peux évidemment utiliser mettre du crush sur le dernier. S'assurer que l'enveloppe totale ne dure pas trop longtemps. Ouais. Donc là, j'ai une enveloppe à 6 segments avec 5 genre sous-enveloppes esclaves, si on peut dire, qui vont déclencher des paramètres du filtre. Donc c'est pas mal ça que ça permet de faire, en tout cas, moi je trouve. Première intuition. Un contrôle de volume, puis après des contrôles séparément. Donc ça, c'est pas mal ça pour tout ce qui est le ramp. Évidemment, on peut automatiser les time and level. On va s'amuser avec ça. Je vais prendre toujours la même chose pour le random, juste pour que ce soit consistant. On va aller prendre notre truc qui crée Mechanical Chaos Source. Donc, je peux évidemment piloter les temps. Puis, si ma source de variation change plus vite que l'enveloppe, évidemment, ça va updater la courbe au fur et à mesure. Petite question que je ne suis pas certain.
C'est quand on automatise avec du CV, ces quantités-là. Est-ce que ces quantités-là sont utilisées, le CV ajoute un offset, ou est-ce que ça devient les atténuateurs? Mais bon, c'est pas trop grave pour aujourd'hui. Puis là, ben évidemment, dès qu'on change, ça donne des résultats, comme toujours, drastiquement différents. Puis si la source de modulation de l'enveloppe est plus rapide que l'enveloppe, on va voir des variations à l'intérieur même, ouais, comme ça par exemple. Donc là, ça devient un genre de modulation étrange. Donc ça peut être assez puissant. Je pense qu'il faudrait que je trouve d'autres adjectifs. L'autre mode, c'est le mode step. Lui, on va juste aller voir un peu, comme rappel, qu'est-ce qu'il fait exactement. Juste pour être certain que je dis pas de bêtises. Comme on dit RTFM, Read the Fucking Manual, on en parle pas assez souvent. Mais le step, dans ce cas-là, je vais juste vérifier. Ben, c'est vrai qu'on peut le déduire. C'est Glide to the Target Voltage. Et là, c'est le voltage contrôlé par le slider. Et le glide par le potentiomètre. Mais normalement, c'est vrai qu'on aurait pu le déduire à partir d'ici. Donc, si je vais brutalement et je mets tout en jaune, on va voir ce que ça donne. Pour que ce soit moins confondant, je vais enlever Présentement, il y a des valeurs fixes, mais dans le fond, c'est quand il reçoit une autre gate, vous voyez, il enclenche le deuxième. Donc, on va aller plus vite voir ce que ça fait. Mais le premier reste à on. Mais non, en fait, il s'en va, mais vraiment tranquillement. Donc, ça donne un drôle de résultat. Je pense que c'est pour faire des séquenceurs, en fait. Surtout avec un nom comme Step. Oh, pardon. Mauvais choix. Oui, polyvalent, c'est clair. Je pense que la façon d'utiliser dans ce temps-là, c'est qu'on a dit que quand c'est en jaune, c'est le shape qu'on contrôle ici, puis le niveau. Donc, ça veut dire que ça nous fait un step sequencer, quoi. Je vais débrancher les autres, juste pour me concentrer sur le output du master, qui est le premier. Puis là, normalement, si j'ai compris, parce que je suis pas certain, je vais avoir un séquenceur. Je vais remettre les shapes au milieu. Ouais, ça ressemble à ça, on dirait, hein? Si je mets tout le monde, on va réinitialiser tout le monde pour être certain. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Yes, puis on est à la valeur milieu. Donc, si je mets celui-là à on. Exactement. Ah oui, le shape, c'est le glide time, donc le temps de glide. Transformer en séquenceur. Accélérer un peu, juste pour qu'on. Ouais. Donc on voit bien la séquence, puis là, ça c'est le temps de glide. Ouais. Puis si je le mets complètement à gauche, ça veut dire. Ça y est, on a un séquenceur. Oups! Six-step sequencer. Avec un glide control, en fait. Ce qui est quand même cool. Puis là, ça veut dire que si je mets du random sur, par exemple, la gate, pardon, le deuxième segment, ben lui, son niveau devrait changer de façon aléatoire. Ouais, on le voit ici. Si je le ralentis, on va peut-être mieux le voir. Ce qui est cool, c'est que ça veut dire que je peux avoir un step sequencer, puis qu'il y a une des steps qui est en fait une autre source de modulation. Vous voyez, là, je joue à fond la caisse, rapide sur l'aléatoire. Donc, quand j'arrive sur le segment numéro 2, lui contrôle l'amplitude, puis il change plus vite que la step. Donc ça, c'est génial parce que ça me permet de justement imposer comme une séquence aléatoire à la place d'un certain step. Ça, en passant, ben, ça fait beaucoup penser au Control Forge. La seule chose que je remarque, par contre, c'est que je ne l'ai pas dit, mais c'est visiblement, dans presque tous les cas, c'est du unipolaire, donc voltage positif, toujours. Alors que lui, il va plutôt dans le... Lui, si je regarde, en fait, ah oui, ça va être cool. On peut comparer. Ouais, vous voyez, il y a une partie qui est transférée, en fait. Ça, c'est super cool pour la visualisation. Ouais. Il y a un petit offset là, ou un gain qui est en jeu. Je me demande si c'est pas qui... ça. On va vérifier qu'est-ce que lui fait dans ce temps-là. On dirait que c'est un offset.
danse. Ah oui, c'est. Ouais. Regardez comme ça, c'est fascinant. J'adore. Donc, ça veut dire que si j'y vais comme ça, genre deux steps qui sont aléatoires, ben, à cause que je les mets en aléatoire. Ça dépend aussi du. En tout cas, c'est vraiment intéressant parce que là, si je mets le glide time, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Adoucir la variation en plus. Donc, c'est quand même assez fou, là, en fait, ce que ça permet. Là, je contrôle. Pourquoi je l'ai foutu, lui Ah, il contrôle juste l'amplitude, tout bêtement. Ok, c'est pour ça que c'est plate comme ça. Si on va le mettre dans Vocal Octave, mais ça va être un peu intense. Je vais dans mode. Donc, super puissant, en fait, en mode step. Puis là, ce qui peut être évidemment intéressant, je vais simplifier. Enlever ça, donc là on est en mode vraiment step sequencer. C'est que là, si je regarde qu'est-ce qui se passe au niveau des autres sorties, on va les voir, c'est que j'ai l'impression que c'est les steps individuels, mais à plein volume, donc ça peut être utilisé pour déclencher des drums, entre autres. Donc je pense que si on va vérifier, ouais, c'est ça, c'est toujours des steps qui sont à pleine amplitude, donc ça c'est vraiment le fun. Donc si je vais chercher un drum quelconque, Trimmer. Ouais, ça c'est un drum. Ça veut dire que si je prends le, par exemple, le Mi, output ici. Ouais, c'est ça. Ouais, exagérer le bend. C'est puissant, non? Ok, je me fais plaisir, j'en mets 3, puis on va faire n'importe quoi. Randomize. Randomize. Donc là, je peux prendre lui. Le gate. Là. C'est quand même malade. Donc je pense que c'est Alexis qui disait qu'il l'avait. Ben, t'es chanceux, mec. Ok. Là, ce qui peut devenir intéressant, je pense, c'est quand on combine jaune avec des trucs verts. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Je n'irai pas dans le rouge tout de suite. Je vais mettre des verts pour voir ce que ça fait. Ouais, là c'est que j'ai un séquenceur, mais il y a des segments qui agissent comme des rampes. Puis quand c'est vert, donc ça c'est la shape, ça c'est le temps. Et là je me demande comment il gère le temps parce qu'on reçoit quand même des gates. Donc ça c'est un peu ambigu pour moi en fait. Clair, moi aussi, je veux trouver plein de drums. ça nous prend des fonctions random aussi sur les vrais modules. Ben, ce que je comprends pas trop, c'est que là, si je mets un temps très long, on dirait qu'il s'en fout. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça fait des combinaisons surprenantes. Moi, ce que je trouve difficile, en tout cas, la partie la plus difficile, c'est comprendre comment justement il gère les alternances. Si lui est en vert et précédé d'un jaune, est-ce que c'est vraiment important ou pas? Oui, il fait un petit truc bizarre. Moi, c'est ça, les drums, ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai que là, je l'avais mis en vert, donc il n'y a pas de drum. Donc, je vais faire vert, oups. On va faire vert, vert, trois jaunes. Qu'est-ce que ça fait? Ah, ça, c'est drôle, hein? Mais il s'occupe plus du tout de ceux-là, en fait. C'est vraiment le bout qui est plus obscur pour moi. Puis pourquoi il fait pas le numéro 4? Parce qu'il y a un temps trop court. En tout cas, il y a comme une façon de gérer les chaînes qui sont un peu mystérieuses. C'est pas grave. Ça, c'est le step. Si on va réinitialiser tout ce moment-là. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre des autres pour contrôler d'autres paramètres.
distort le filtre, puis je fais pas le fond, tu sais. Donc on est comme un peu retourné en arrière, puis là le rouge, donc c'est un hold, puis le hold ça va être le temps du hold ici, puis ça va être son niveau. Si je mets deux rouges, comme si je t'en laisse cliquer sur le LED. Peut-être que le temps est trop long. Ouais, on le voit ici, il y a comme des petits plateaux. Qu'est-ce qu'il donne en sortie? On va enlever ça ici, pour juste pour comprendre. Donc, si je prends... Donc, le deuxième qui est « Hold », ah, finalement, même si ça c'est intéressant, je vais mettre un hold time qui est plus long. On voit le plateau ici. Là. Puis en fait, même si le segment est un plateau pour le deuxième segment, je vais le baisser parce que je veux vraiment qu'il s'arrête. Ben, on voit qu'en réalité, il donne un genre de. Juste un decay. Même si le rôle du segment est de faire un plateau. En fait. Donc le rouge, c'est ça, c'est le plateau. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter? Donc quand c'est plateau, ça c'est le temps, puis ça c'est le truc. Je pense que c'est pas mal tout. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient cool? Ouais, il y a peut-être juste un petit détail. Bye bye. On va retourner back to basic. Je vais bien sauvegarder, c'est drôle comme ça. Parameterize to type. Ouais. En fait, il y a quand même un truc qui peut être génial aussi. Je pense que je vais le réinitialiser, puis ça va être pas mal le dernier test. C'est qu'on peut l'utiliser. Il y avait aussi un mode LFO loop, mais je ne l'ai pas couvert parce que je ne l'ai pas testé encore. Voyons ce qu'ils ont ici. Yep. Ce qui est intéressant, c'est avec le système de groupe et de segments, en fait. Donc, si je prends. J'aurais pas dû tout effacer. Mon fameux BPM clock que je peux dupliquer. Waouh, qu'est-ce que c'est ça? Ah, disable, ah, c'est intéressant. Bon, je mets deux vitesses différentes. Donc, 85, tiens. Et là, je vais prendre les beats. Donc, si je le mets ici, ça fait comme tout à l'heure. Il n'y a pas le temps de faire la cascade parce que c'est trop vite. Mais là, ce qui est important, c'est de, si je peux mettre dans les bars. Donc, cascade comme tout à l'heure. Mais si je fais ça ici, sur bar. Mais là, en fait, c'est comme si j'avais deux modules séparés. Donc, ça devient complètement indépendant parce que quand la gate arrive ici, ça brise la chaîne de 3, en fait. Donc, ça, c'est quand même génial. Ça veut aussi dire que si je voulais plutôt deux groupes de, ben, un groupe de 2, un groupe de 4, je peux le faire. Et là, je peux aussi dire, ben, finalement, je veux un groupe de 2, un groupe de 2, un groupe de 2 qui évolue à des rythmes différents. Je vais essayer de retrouver le rainbow. Je sais que je l'avais déjà vu, ça me dit quelque chose, ce rainbow. Mais je ne le vois pas. Pas grave, on va y aller pour le basic. Polyscope. Ah, c'est lui? Ouh! C'est bien, c'est des trucs non identifiés. On va aller voir qu'est-ce que ça fait. Donc, le premier... Ah non, c'est pas ça. Non, ça sera pas utile. Donc là, ce qui est cool, c'est ça, c'est que le premier, ça fait attack decay. Parce que c'est un two segment. Ouais, c'est ça. Ici, je vais avoir un autre attack decay avec un autre rythme. Et ça veut dire que je vais avoir ici aussi un autre différent. Étant donné qu'il est déclenché plus rapidement, ben évidemment, il n'y a pas le temps de compléter son cycle. Donc, on peut faire ça comme ça pour le voir. Donc, n'est-ce pas génial? Moi, je trouve que oui, en tout cas. Ça peut nous amener... là, du coup, on se retrouve avec trois générateurs d'enveloppes. Donc, si on faisait, on prenait trois bruits différents, tiens, on va faire vite. Trois bruits différents. Pink noise ici. Oups, c'est fort. Pink noise. C'est fort encore. Red puis violet. Ben là, si je prenais chacune de ces enveloppes-là pour contrôler le volume, j'aurais comme un effet de, pas nécessairement de cascade, mais de beat.
Puis là, évidemment, si je mets des temps d'attaque plus courts, je peux avoir quelque chose de plus percussif. Cool, hein? Donc là, ça devient simplement trois générateurs d'enveloppe. Le dernier mode, c'est le mode loop. Il faut le tenir enfoncé. On va l'essayer. Oups. Ouais, ça devient noir. Bon, en fait, ça loop. N'est-ce pas simple? Puis finalement, ça, c'est la durée. Puis évidemment, il va être retrigué. Donc ici, il y a un certain rythme, mais le beat vient le retrigger. Puis là, je suis pas sûr de ça. Ah, c'est la curve qui est contrôlée. Ouais, exactement. Génial. Donc ça, c'est les nombreuses applications du segment generator. Je pense qu'on a parlé de tout. Puis là, évidemment, encore une fois, si on se rajoute un petit peu de random à la vault. En passant, les vaults, j'ai pas bien compris, mais il y avait au début, c'était gratuit, puis après, ils ont été payants. J'avais payé 20 $ pour en avoir plus, puis maintenant, je pense qu'ils sont tous gratuits, donc je les conseille aussi. Donc là, si je vais à fond, puis que je mets des trucs partout ici, je vais avoir plein de variations. Ah, mais je vais plutôt contrôler les decays, mais pas les attaques. Oh, nice. Mais pas les attaques pour garder quelque chose de percussif. Intéressant. Vraiment, juste possibilité infinie, en fait. Bon, là, ça rend la chose un peu compliquée. Donc, ça fait le tour pour ça, en fait. Je vais juste reprendre ce que j'avais mis en intro avant de passer au revoir. Sauf s'il n'y a déjà plus personne. Hey, trois personnes, hey, cool. Bon, mais on va finir ça avec ça. Donc, si je reviens sur le truc du début, j'espère que je me souviens de son nom. Lui. Ouais. Ouais. Donc, dans ce cas-là, ici, la seule et unique source, c'est le element qui est à la toute fin. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le segment ici pour le contrôler. Puis, honnêtement, je trouvais ça peut-être pas assez. Fait que j'avais rajouté. Ah, salut Merlin, cool, le sort est de là. Ce que j'avais rajouté, puis c'est peut-être le truc dont je vais parler demain ou après-demain, c'est le random sampler. Donc, je vais juste le deleter. Comme ça, présentement, on voit juste le segment generator, son effet sur. J'aurais pas dû le deleter parce que c'est lui qui contrôlait le. Qui déclenchait les gates. Donc, je vais juste comme laisser tomber tout ça ici. Donc, là, il va juste être utilisé pour créer un random gate. Allez, on y arrive, on y arrive. Ouf, il y en a beaucoup. Tiens, on va faire le ménage pour bien voir ce qui reste. Donc, lui, il crée des gates aléatoires pour déclencher le pas le element, pardon, la gate d'enveloppe. Je vais baisser le rate pour que ce soit plus évident. Puis, les 6 sont envoyés pour contrôler différents paramètres de l'élément, puis même les 6 paramètres d'enveloppe contrôlent le random sampler, donc je simplifie ça. Donc tout ce qu'on a présentement, c'est une gate, mais avec irrégulière. Là. Allez, vas-y, go, go. Bon, puis là, encore une fois, on a en bleu l'enveloppe maîtresse, puis les autres, c'est les autres enveloppes, les autres segments. Par contre, il y a un truc que j'avais ajouté, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pour le element qui est cool, mais qui est un peu chiant des fois parce qu'il faut absolument qu'il y ait une gate pour jouer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'enveloppe master ici, puis je l'ai envoyé dans un comparateur avec une petite valeur plus grande que 0. Puis, dès qu'il détecte qu'il y a une enveloppe, en fait, il envoie une gate en même temps parce qu'ici, j'aurais voulu utiliser ça, mais c'est juste un trigger, donc j'aurais besoin d'un. Trigger to gate converter. Donc, ce que ça fait en gros, c'est que ça veut dire que ça déclenche ça ici. Les sous-enveloppes vont moduler des différents paramètres. Pour exagérer l'effet, on va aller voir. Je vais augmenter les attenuators ici. Encore, on l'entend. Je vais prendre ça va être plus dramatique. Puis il y a même du FM, t'sais.
Wow, ça c'est la FM puis la géométrie sur élément, c'est ça peut être touché pour contrôler le damping. Puis ce qui est cool avec l'élément, c'est qu'il y a plein de reverb si vous aimez la reverb. Donc on pourra en parler les éléments de la prochaine fois, mais en gros, le segment generator est vraiment le fun pour générer des enveloppes complexes, des trucs super bizarres. Peut-être juste le mot de la fin. Je vais carrément quitter ça. Et je pense que j'avais envoyé le lien. C'était quoi déjà? Non, il y a une vidéo sur YouTube qui, moi, m'avait vraiment bluffé. Peut-être que vous n'avez pas l'audio dans ce temps-là. Mais en tout cas, je vous conseille de regarder ça. Je pourrais mettre le lien dans le chat. C'est le stage, le marble puis le random avec plate comme unique source sonore, plus un kick drum, c'est vrai. Puis un petit traitement style reverb. Puis en fait, ça dure 10 minutes. Et honnêtement, c'est comme la discographie de Tech avec 4 modules. Donc, je vais le partager tout de suite avec vous. Si je me retrouve un peu dans mes nombreuses fenêtres. Trop de fenêtres. Blablabla. Ici. Puis, merci à tout le monde d'avoir été là. Je sais pas si vous avez du son. Tiens, je vais le tester. Je pense pas parce que là, j'ai fait un routing audio. Moi, j'en ai en tout cas. Mais vous ne devez pas en avoir. De toute façon, je n'aurais pas le droit de faire ça parce que c'est son truc YouTube. Donc, je vous laisse le regarder si ça vous intéresse. Vraiment super intéressant. Donc, voilà, ça faisait le tour pour aujourd'hui. Fait que moi, je vais vous dire ciao, bye, mais je vais reloader. J'aurais dû au moins mettre un petit son pour faire un petit pseudo-générique de fin. Donc, bon samedi soir à tout le monde et profitez bien, en fait. Vais remettre le premier qui était meilleur. Salut tout le monde, merci beaucoup. À bientôt. Prenez soin de vous. Soyez prudents sur la route. Quelle mauvaise blague. Sans blague, il faut essayer de s'amuser. Salut.